Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knorfang pour la suite d'un let's play qu'on avait peut-être un petit peu oublié. Faute de sauvegarde corrompue, faute de PC en deuil et ceci dit, sur cette version là j'ai tous les DLC. Donc je suis à Velen après à peu près là où je vous avais laissé. À part qu'il y a moult choses à faire. Mais j'ai quand même escroqué 2-3 trucs, genre je suis à la forteresse détruite. Et je me suis dit, peut-être falloir arrêter d'escroquer des trucs parce que vous avez passé à côté d'un certain nombre de choses à la fin. Genre les lames, donc non, ça je l'ai déjà, mais c'est la Carabella que je viens de récupérer. La Carabella, je crois que l'armure que je porte, le plastron vient d'être récupéré. La cuirasse engrénienne. Et divine que je viens de récupérer, je crois. Je viens de récupérer dans un des trésors là, c'est ça mon soupe. Avec 2-3 trucs, voilà. Bon, moi je pas. C'est pas, c'est pas non plus fou, mais voilà. Et vous entendez ce Doupa? Ce Doupa de troll de niveau 19, beaucoup trop gros pour moi normalement. Bon, on va tenter de l'escroquer, hein. Bon, on va tenter l'escrocade. Donc ça trop gros, ça veut dire qu'on part sur Kukwen, hein. Merci. On va partir sur Kukwen. Ok, ça va. Alors ça a été instant, hein. What, t'as d'accord. Donc quand c'est attaque, c'est pas un peu, hein. C'est complètement en fait. D'accord, d'accord. Oh. Hop là! Skill, hein? Est-ce qu'on te fait mal au moins? Oh, j'ai la lumière dans la face, je vois rien. Je tourne ça, je devrais même pas. Hop, 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 hop là! Doucement, doucement, doucement! Laisse-moi remettre un bouclier! J'ai pas eu le temps. Un peu mal, hein. En vrai ça pourrait se faire, hein. Wow, 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 wow. La vie pour Inisme est mauvaise pour la santé, monsieur, on vous l'a pas dit. C'est moi qui fais ça, la blague. Putain, déjà quoi, tu prends des dégâts un jour ou ça se passe comment? Bien, voiture communiste. Je t'aurais peut-être. Laura, on le caresse, on lui fait rien. Oh, il est dalle queue. Ici, il va y remonter. Tu râles pas. Oh, il a râlé, il a râlé, il a râlé, il a râlé. Alors, tu vas faire quoi? Tu vas faire quoi? Baisse les yeux, baisse les yeux. Ok, ok, j'ai encore mon Kwen. Ok, j'ai plus mon Kwen, on dégage. Décroche. Oh les patates qui fait. Ah, je t'emmerde. Ouais, dégâts de bouche. Je le frappe à quoi avec l'épée en argent? C'est une bonne idée. Je vais l'air me dire oui, c'est carrément l'idée, mais... Oh le stunlock! Oh le stunlock! Oh il était bien! Il est tombé! Je pense qu'il l'a pété comme ça, c'est pas possible! Hop! La technique du bouchon! Il était prêt! Il était prêt! La technique du bouchon, il était prêt! Ok! Comment ça t'es retourné? Mais debout mon golo. Critique. Ah, la blague. Ok. On vit bien. La technique d'école qui fait durer la boucle plus longtemps, ça pourrait être intéressant. Hein. Mais bon. Attends, mon coin va tomber.
Allez, cours, toi, quand je te le demande. Oh, le... oh, il est bloqué. Il est bloqué, il aime pas la hauteur. Ok, c'est bon, il a pété mon couen. Ok, c'est bon. Allez, retourne. Est-ce que ça stunlock? Rien du tout. Ça va. Cet enfant en bâtir est très beau. Allez, avale-moi ça. Ok. Tu sais même pas s'il fait un mouvement de bras ou s'il te tape. Allez, on gagne. Attends, dans le cul, lui. Ok. Non, mais les gros tailles, avec dans le dos, vous leur faites mal. Hein. De face, sinon, vous leur faites rien. Hop là, regarde, t'as vu? Hop! D'accord. Il m'a connu. Tu remontes te pioncer? Ah, je te fais une attaque latérale hein, si tu dors, hein, c'est aussi. Hein. Vas-y, pionce-toi. Non. Ok. Allez. Allez, tombe. 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 Timber, là, je sais pas, fais-moi un truc de Canadien, là. Mauvaise idée. Très très mauvaise idée. Il lui reste rien. Hein. Ok. Il est tombé le gros monsieur. Wow. Je crois qu'il voit sa maison. Je suis pas sûr. Hein. Mais ça a l'air. Ah. Le retour sur The Witcher. Ça va me coûter cher en réparation d'armure ça. Et il a quoi le monsieur? Un œil imprégné, des trucs et des machins. Ouh. Comment ça? Une médaille calibré là? Voilà. Non, je pense pas. Je pense que c'était pour me dire quand il était prêt. Oh, mais c'est curieux encore des choses! On a un schéma de poussière de lune amélioré. C'est parti. Un petit raccourci. Ouais, la fin du monde, hein. Après, y'a plus rien. Oh, les géants. En tout cas, le géant, donc le trésor était ici. Les géants, quand même. Le géant, finalement, plus sympa que l'élémentaire de terre. Hein. J'ai escroqué l'élémentaire de terre dans le marais. L'élémentaire de terre que vous avez ici. Il est où ce coup? Je crois qu'il est là. Oula. Ah non, il est là, cercle de pierre. Il est là, donc celui-là je l'ai escroqué. Tranquillement. Je vous propose de continuer notre petit tour dans les marais. Il y a l'air d'y avoir une ville ici. On va se découvrir ça. Un petit tour de la galère. Et tactique. J'ai enfin utilisé un peu de consommable, c'est ça le côté positif. Déjà crépuscule, non, mais attends, vas-y. Je suis arrivé en fait à la forteresse pour vous dire la surprise, j'avais pas vu le géant qui devait dormir. Du coup, j'ai fait une méditation. Surprise quand je me suis, quand je me suis levé. Allez, c'est parti, c'est y part. Une petite plante, hein, parce que j'ai plus rien, j'ai tout vendu. Catastrophe. Ça a l'air de descendre un peu sec hein. On peut se faire la descente là ou... Ouais on se la fait. C'est ok, par contre faut se la faire dans le... Hop là, hop, hop, voilà, faut pas tomber plus bas non plus. Ok, ok. Et bon, par là. Super.
Il faut que je retrouve des trucs de corbeau d'ailleurs pour... Du coup la mission buggée. Alors la mission buggée, rappelez-vous, dernier épisode que j'ai tourné, c'est une mission buggée. Cette mission buggée finalement, je l'ai terminée. Bon, il se passe rien. J'ai essayé de faire les mêmes fins à chaque fois, attention. J'ai essayé de faire les mêmes fins que dans le let's play précédent, j'ai pas essayé de les changer pour voir quel en sera l'impact. Ah mais bon ça. Oh ouais. Ouais. Et ici la grosse. Ah des level 20 en fait. Hop là, d'accord, intéressant. 18 ans. Je sais pas compter. On dira 18 ans. Mais ouais je crois. Vous savez, on peut avoir des... Merci. Salopard, saloperie, meurs. Oh, je suis mort. Oui, j'ai pas de vie, l'épée elle est pétée, tout est claqué. Ceci dit, je l'ai jamais affronté, donc ce serait bien que je me le sorte. Histoire de l'ajouter au bestiaire, quoi. Question de politesse, quoi. On l'ajoute au bestiaire avec la wivre. Alors, ce qui est bien, c'est qu'en montant à la forteresse, vous tombez sur une wivre, elle est claquée, mais vous avez lui paumé au milieu de nulle part, il est trop chaud. Genre il peut me miner nulle part, je suis sûr qu'il protège un loup tout pété quoi, genre un cadavre avec 3 épées dessus quoi. Ouais, parce que c'est normal de se balader avec 3 épées dans le monde de Witcher. Donc il était... Je pense par là. Ouais. On va aller descendre là un peu. J'ai pas pu voir s'il y avait un truc, ceci dit, en particulier qui protège ce genre de choserie. Il est là. Rien là en contrepoint, je vais aller. Que lui, hein. On n'entend pas sur le détecteur de radar, enfin il fait pas de... Ok. J'ai l'impression qu'il y en a d'autres là-bas. Ça doit être un écho dans la vallée de Dana. Je cherche pas. Bon. Le feu. Non, il est trop au niveau. Hein. Bon, bien sûr, hein, quand même. Allez, c'est parti. Allez, descends. Je l'aime bien, mais ah, mon pote n'est déjà pas prêt. Qu'est-ce que je Oui, démarrer mon arme. Trop tard, pas fait. On va y revenir. Hein. Tu m'excuseras le pigeon. Hop là, j'ai pas réparé mon couteau pigeon. Doucement, pigeon. Doucement. Là. On est en plein combat, mais tout le monde sait très bien qu'en plein combat, on a tout à fait le temps de réparer son couteau. Finalement, on est à combien? 47. Ah oui, ouais, faut le remonter. Là. Ah, on est à combien? 87. Ça tiendra. Huile contre les nécrophages. Oui, mais enfin, c'est pas nécessaire de mettre aux choses. Bien que, a-t-on des informations sur ce monstre? On n'en a pas encore, il devrait être dans la liste des Wyvern. On a passé les ovoïdes. Pâture alimentaire. Il y a la chasse sauvage, ok. Et contre les... Ah non, c'est ces créatures petites. Les ovoïdes. Les wesh grou. Un filon, d'accord. Alors, range-moi ça. Voilà, ça, le cyclope. Ah, il était vulnérable quand même. On pouvait faire un peu de contrôle mental dessus. Intéressant. Réouvrons toutes les catégories et de politesse. Donc il faut bien que je le suive pour avoir des infos dessus. C'est bon, j'ai mon truc.
Hop là, hop là. Venir ma poule. Hop là. Je t'ai vu venir ma caille. Là, par contre, j'ai pas vu venir. Ok, finis le fêtard. Ou le fenard. Ah, c'est un fenard. Ok. Cette rapidité à la dégaine, il est dégoûté, le pigeon. J'aime bien, il en devient un petit côté dinosaure en fait. Oh, je pensais pas recharger aussi vite. Oh, 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 je viens de voir que mon signe n'était plus là. Comme un orqueur. Oui. Merde. Ça le racaille. Aïe. Ok. La région quand même un peu hein. La vache, t'as rien à me donner. Il a protégé. Un griffe quoi, comme ça, à froid. Je suis pas sûr là. Voyez-vous, j'ai un doute là. Moi, ce que je propose, petite méditation. Ah, il y a un ordre dans The Witcher. C'est d'abord on fait une sauvegarde. Voilà. Ensuite. On se repose une petite heure pour refermer les griffes de 25 cm de profondeur. Voilà. On s'assure qu'aucun monstre nous détruise. On sauvegarde la partie. Et on va chercher la bête suivante. Ouais. C'est quoi le niveau de la bête? Inconnu. Le basilic, il est inconnu au bataillon. Deux claques, je suis mort. J'ai même pas eu le temps de voir si je faisais des vrais dégâts et si c'était intéressant ou pas d'essayer de se faire. Et je pense que si le niveau est inconnu, c'est que il a genre plus de niveau supérieur au mien, quoi. Je pense que il est prévu qu'on vienne le buter, mais peut-être un autre jour. Je pense. Après, je suis pas formel, mais je suis pas un expert après tout. Amène ta tête d'estragon ici. Mais amène ta tête d'estragon ici, je viens de te dire. Voilà, merci. On fait des dégâts. Ouais,
Ok, tu vas être bon. Alors après peut-être difficilement parce que t'as l'air un petit peu énervé quand même comme dessin. Tu me jettes le coup comme ça. Ok. Tu relèves pas. Reste couché. Reste couché, je te dis. Baisse les yeux. Je l'ai claqué au bout. Il est par terre. Ok, du crit. Une petite huile contre les bêtes, hein. Peut-être que ça détonnerait un peu. Hein. Moi je dis ça, mais parce que je suis un original. Hein. Vraiment, non, parce que j'aime bien faire des trucs. Ok, ok, ok. Dès qu'il y a les guadins, c'est impressionnant. Calme. On critique en l'air. Ah bon, ouais. Ah, tourner autour. Ah, j'étais bien là, je tournais autour, j'étais pas mal. J'ai pris rien. Descends le pigeon. Mais. Il faudrait peut-être bloquer la bête, hein. Oh, j'ai plus le Quen. Oh, j'ai plus de Quen. Oh, il me vient de m'enlever un bout de viande, je crois. Oh, la bête. Oh, la belle bête. Ok, on a un Quen. T'as prévu de toucher un truc un jour? Alors, on vit toutes les munitions du monde dessus. Hein. Après, en tout cas, il n'aime pas trop l'arbalète. Hein. Je sais pas si c'est le bonus argent que j'ai sur les carreaux là. Il chauffe comme ça là. Oh, mais il a régène le fumier! Mais il a jamais voulu sortir son quen. Hein. Je vous jure, entre deux, j'ai demandé à ce qu'il sorte son quen. Il a pas voulu. Oh, la bête est sévère. Petite huile contre les bêtes. On tente des trucs chelous. Hein. Une petite huile contre les bêtes, comme ça. C'est une idée. Hein. Je sais, certes, très original, mais... Cela reste une idée. Bon. Bon, bestiole. Mes machins là. J'ai quoi? Créature élémentaire, non. 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 Ok.
C'est parti, on va taper sur la bête. Je voulais dire plus tard, hein. Vous m'avez compris. Hein. J'ai même pas compté ce qu'il m'a empoisonné puisqu'il ne m'a jamais touché avec une boulette. Oh, il est chaud quoi. Bon, on repassera plus tard. Voilà, on va aller trouver le village hein, parce que là l'intérêt de la vidéo est quand même relativement assez limité. On va pas se mentir. Puis bon, moi j'ai JDR après donc. Hein, on enchaîne. Hein. On dit que c'est un bon deal. On dit que deux fois il y a un village par là. Je pense qu'il y a un village par ici. En tout cas, il n'y a que des bestioles fort sympathiques qui habitent cette région. Hein. C'est vraiment. Alors, il y en a qui disaient le marais c'est pas accueillant, mais alors. Donc les montagnes de la fin du monde, je suis pas sûr que ce soit mieux. Hein. Ok, je suis très embêté par la pente qui ne veut pas me laisser passer. C'est un très contrario. Pas, mais il y a un degré de contrariété fort intéressant. Le temps est propice au voyage. Ah, j'ai pas le choix que de passer de côté de l'autre crétin là. C'est une blague. Oh, c'est une blague. On peut
On peut pas tenter un glitch à la Skyrim? Oh si, oh si. Vas-y, rends-moi du rêve, poulet. Rends-moi du rêve, poulet. Rends-moi du rêve. Oh vache. Bon, faut passer côté poulet. Sinon, faut rejoindre la route. Alors, moi, je vais aller juste là. Donc, j'explique que c'est bien mort. Je rejoindrai pas la route. Wow, 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 calme-toi, quoi. Oh, tu me fais dévaler toute la pente. Bon, on passe là où il y a le poulet. Et trop tard. Oh la misère. Alors, bah on va te suivre, hein, vieux, hein. Parce que. C'est pas que je t'aime pas, mais. Moi, j'aimerais bien passer une heure ou deux à essayer de faire la passe, mais en fait, figure-toi que j'ai autre chose à foutre. Surprenamment. Super. Oh. Ok. Et il nous a lâché. Je suis scaladé 100%. Et à d'autres. Hein. Alors ici. Voilà, les arbres commencent à voler là. Ici, on sent que la finition c'est moins ça. Allez, saute, saute, saute. C'est vraiment ma destinée. Me dis pas que là où je vais aller, en fait, c'est une bordure de monde et donc on peut pas y aller. Un grand arbre chelou. Si, si, il y a une route qui monte. Il hein. Y a complètement une route qui monte. À l'arbre des chelous là. Oh la descente. J'ai mon quad là. Je vais en avoir besoin là. Ça s'est très bien passé finalement. Finalement, ça s'est mieux passé que le gros pigeon. Hein. D'ailleurs, il y a beau ce gros pigeon, mais. Mais Michel. Il m'a touché une fois, il va plus vers la moitié de ma vie. C'est donc très bien passé. Ce que raconteront de toute façon les livres d'histoire comptés par Jaski. Bard et conteur de son état. Ah. Ça c'est de la racine de ses bras. Pas une descente, c'est ça? Yes. Ok. Ça se passe relativement bien. Hein. Plage. Sous la petite plage. Alors, rien dans l'eau de la petite plage. C'est quoi ce point des enfers par lequel ils veulent pas qu'on accède là? C'est quoi leur délire? Tellement chiant d'y accéder. Ok, je m'en vais loin d'ici. Ça, ça sent le truc comme pour le géant, le basilic et les autres là. Ça sent le truc, je devrais pas être là parce que j'ai pas le niveau. Ça sent comme ça. Hein. Nerpin. Route vers le bon chauve. Ah, un coin de téléportation. À ce stade-là, on peut appeler ça la cible. Oh. Ah oui. Bon, je vais un peu. Au moins, on est dit. On est dit. Ah, ça, ça s'enflamme point. Point, ceci ne s'enflamme. Alors, de là, je crois qu'on a deux choix. Le village, c'est ça, ou les ruines. On va d'abord aller. On va d'abord faire village. Déjà, on va d'abord faire sauvegarde. Je trouvais un panneau. On sauvegarde. Voilà, le... D'accord, depuis ce qu'elle me dit là, par où qu'on passe pour rejoindre une civilisation? Voilà. Voilà, ça a l'air plus convivial, c'est plus chaleureux comme ça. Ah. Oh.
Brumelin niveau 26. C'est pas très chaleureux. Hein. Ah, ceci dit, on a son niveau. Hein. Et là, level 26, jamais j'y touche quoi. Ok, on reviendra quand on sera plus grand. En tout cas, j'ai trouvé le coin, j'aurais plus qu'à m'y téléporter. Ça, c'est le côté pratique. Bon, on admet qu'on est dans une zone où on n'a pas le droit de jouer. Le jeu veut pas qu'on soit là. Très bien. Très bien. J'irai bien par là, mais je crois savoir aussi que c'est assez casse-gueule de se balader par ici. J'ai récupéré à nouveau donc le trésor qui était là en profondeur. J'ai essayé de refaire vraiment un certain nombre de choses qu'on avait déjà fait. Tour du noble en ruine. Et il y a un truc dans le marais. Je m'y téléporte pour la fois prochaine, je sais plus ce que j'ai fait. Ah. Non, c'est bon, monsieur Caillou, fous-moi la paix. Salut, hein. Au revoir, mon bon monsieur. Je retourne vers la route. La route, monsieur, vous n'avez pas poursuivi sur la route, voyons. Voilà, c'est un rat caillou, il est quand même poli. Il reste dans l'enceinte qui lui a été consacrée, évidemment. Il est quand même fort aimable. Bon chien de garde, en tout cas. Ça m'avait l'air plus loin que ça. Ah, je vais taper sur ma réserve. Ah, il y a un coffre. Ah non, on y est déjà. Je vais m'intéresser à ce qui se passe. Oh, une décoction, encore un truc que j'utiliserai pas. Formidable. Cul terrier, ok. Non mais on avait dit qu'on mettait fin à la vidéo ici. Voilà, enfin, un excellent endroit pour somme toute taper une petite méditation. Alors on se rappelle que normalement on sauvegarde juste avant, mais que serait la vie d'un Witcher sans le risque. Très bien passé. Qui a parlé de risque? Vous êtes médisant. Je vous remercie, c'était Clarfunk sur Comme d'habitude Gaming pour le retour du Witcher. Des bisous, à la prochaine.